Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Frère Action Lou, ici, tant qu'on l'autre bord de l'eau. C'est avec un peu la peine. N'a regardé sur les réseaux sociaux, ak nan télévision, et puis n'a attendu dans la radio, tribulation à pénitence, frère ak chenou a subi dans la frontière pays Mexique ak États-Unis. Image sa yo simé la troublage dans le cœur nous, et puis touché dignité tout haïtien. Qu'est-ce que soit, ça yo pensé, quel que soit côté yo. Pendant qu'on a constaté bal cité frère Axenio dans le pays Sayo, c'est une obligation pour moi, comme chef gouvernement, pour porter tout support de l'organisation et de monde qui travaille avec les migrants Sayo. Depuis le monde est monde, tu es toujours des migrants avec immigrants. C'est peut-être ça, moi passe instruction à toute autorité haïtienne, ici, comme l'autre bobo, qui concerné par question ça, pour mener bonne enquête, à faire bonne évaluation situation, pour faire une proposition rapide au presto, pour nous voir qui gens pour nous accompagner, frère Action Yo, dans malais pendier ça. Frère Action Haïtien. On nous mettait tête nous ensemble, pour nous capables de vivre bien la caille nous, sans que nous pas prendre honte ça yo. Frère Action Yo, on mette tête ensemble pour nous bâtir dans l'autre pays côté tout petit peuple là capable de vivre tant que nous. Nous reconnaître que le pays noir a un pile problème. C'est peut-être ça, m'a fait tout ça qui n'a pas pouvoir. Même Jean, président Jovenel Moïse, demandé ça pour mettre sous pied une bonne structure pour organiser une élection libre et honnête pour la paix. Kablaï dans tout pays. Et puis comme ça, yon allait mieux pour tout le monde sans distinction. Malgré Krabla Pagra, nous décidons pour nous accompagner frère Action Yo qui a tourné la caille dans le pays yo, pour être capable de recommencer à organiser comme ça doit. Frère Action Yo, moi partager souffrance nous à toute peine que nous avons enduré. Et m'a demandé tout haïtien et haïtienne à la ronde pour bâtir un pays à une chance. M'a dit nous, la caille a un problème, c'est vrai. Mais la caille, c'est la caille. Que bon Dieu bénit Haïti. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci un peu parce qu'avec nous, dans l'OSA sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Question en sécurité hein, qui n'est pas suspendre, attirer attention, susciter remous. Et les quartiers, je dis, il est difficile d'accès. Et chaque fois, il y a urgence pour passer là-dedans aussi avec un fil qui a sauté. Et conséquences lourdes pour les citoyens, pour la ville, mais tout pour l'économie. Hein. L'économie qui est déjà un problème. Je veux dire, un ensemble d'entrepreneurs qui est obligé de faire un business, aller à l'époque dominicaine, quand pile aux ressources importantes pour le pays que nous avons perdu pendant les derniers mois. Vraiment, sous situation assez catastrophique que Haïti a connu, je ne veux dire, par rapport aux affaires sécuritaires. Côté nous sortir, pour nous arriver là, est-ce que son fatalité, qui sont capables de faire pour nous renverser cette tendance-là, c'est quelque part nous pour l'aborder, je veux dire, dans l'émission Sahara, avec une personnalité bien indiquée, colonel Imer Rebu, qui a accepté de répondre aux questions télévision nationale d'Haïti. Colonel Rebu, merci un peu, parce qu'on fait encore être disponible pour TNH. C'est moi qui vous remercie et puis nous saluons tout le monde qui suivent nous, qui écoutent nous. Parfait. Alors, nous disons l'introduction, colonel Rebu, je dis à des zones de travail dans le pays très difficile pour l'accès à Kyo. Et monsieur Dame qui n'a gagné ou bien contrôlé. Économie n'a pas suspendu pour un coup par rapport à la situation ça, ensemble de monde qui est obligé de quitter le pays suite à un problème de sécurité ça. Mais je vous demande, côté du passé pour arriver là, est-ce que c'est défaillance l'État qui traîne Haïti côté de vous dire? Bon, par défaillance l'État en tant que tel, une mauvaise compréhension de ce que c'est que la politique. Ça qui passe là, c'est que nous avons un petit monde qui a 15 ans.
pas préparé pour ça. Et puis qui rencontre un petit monde qui a 13 ans, et puis il est tombé, il est rentré dans le cas, il a fait 7 petites. Il n'a pas regardé assez maturité pour gérer ça. Il n'a pas même bien compris le phénomène. Non? Sauf que quand on comprend le phénomène du plaisir. Donc c'est ça qui est arrivé, ou bien on sait des gens qui ne connaissent pas l'État, qui ne connaissent pas qui est structuré, qui ne connaissent pas qui organisé, qui vont nous exiler, un bas extraordinaire qui excite eux, qui est le pouvoir, qui est belle, qui a une image extérieure pour son chef, là où il y a des gens qui est le chef. Et puis, ou prend pile plaisir dans ça et puis on galoper sans qu'on pas connaître vraiment qui responsabilité qu'il y a à ça et qui gens techniquement pour organiser pour ça fonctionner. Si les gars prennent fier d'entrer dans le caille, faut qu'elle a sécurisé, faut qu'elle a gain de l'eau, faut qu'elle ait l'électricité, faut qu'elle ait du feu. Ça demande toute une organisation. Il faut bien travailler, il faut qu'il y ait des moyens économiques pour qu'il y ait un marché. Ou pour le détail qui peut faire au fait de la famille vivre. Maintenant, comme c'est des petits monde qui est totalement inconscient, ils ont peut-être fait un peu de bagaille, mais ils n'ont pas arrivé à rendre une certaine harmonie dans le fonctionnement qu'il y a là. C'est ça seulement qui est arrivé. Et côté de bagaille, ils vivent pas l'argent, penser que ça est capable de vivre. Et son histoire très longue. Ce n'est pas un bagage qui est venu un matin. C'est un monde qui a amour ou ennemi pour une série de structures que vous avez fonctionné mal, que vous critiquez. Mais par contre, qui s'allie, qui j'ai organisé pour m'attirer, décider de faire croiser. On parle de la mode ici? Oui. Et croiser, c'est un bagage qui est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin. 20 minutes pour craser un bagaille. Si vous réunissez le nombre de personnes qui animent de même volonté de briser, de casser, de faire disparaître, ce n'est pas difficile. Mais c'est là pourquoi tant pour construire là. Maintenant, pour construire là, ça demande d'abord de la volonté, des moyens. Vous avez des volontés, des moyens, mais il faut avoir là. Il faut connaître ça va faire. Donc, vous crasez un peu le bagaille. Pas seulement l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti, c'est colonne vertébrale là. Il y a un peu de monde matin qui décide, bon, ça n'a pas fait pour là. C'est un merdement. Ok. Mais ne pouvons placer le papa ou pas connaître. Oui, c'est par rapport avec l'agissement et l'armée qui fait une réaction ça. C'est de l'ignorance. De l'ignorance d'un côté comme de l'autre, ça a interprété comme agissement l'armée. Et l'armée, c'est une institution qui a un corpus social. Nous, qui dans la rue, c'est la société qui est sortie. Maintenant, il y a une formation, une orientation en dans tissu social qui a besoin de modifications institutionnelles. Par exemple, je me rappelle le 15 octobre 1986, moi, j'étais directeur des études à l'Académie militaire. Et par rapport au premier trémoussement lié à la déstructuration, au début de déstructuration de la sécurité nationale, nous avons présenté une conférence devant le Inter-American Board of Defense. C'est une structure internationale qui est dans la zone américaine, à côté, chaque année, tous les généraux réunis pour évaluer le niveau de sécurité locale et par rapport à la sécurité hémisphérique. Je le dis de manière très claire, il y a des dispositions, si vous ne prenez pas le coup, l'armée d'Haïti va le craser. Parce que après 1986, vous vivez une ambiance de rébellion contre tout ça qui n'est pas bon dans la société, à tout ça pour lequel vous êtes à bon reproche. Donc ça veut dire une effervescence sociale. Et il y a plusieurs éléments de gauche qui viennent infiltrer en tissu, enfler tête nous, sous des bagailles peut-être qui étaient quoi là-dedans vraiment. Mais mécanique pour être fait transformation, ça, ou être réalisé bagaille, ça n'a pas existé. Et pas forcément comme ça. Mais sur le grand pays qui est
qui était participé, qui était estimé que la mer, c'est ça, nous, la mer crase zo. Mais il tape toujours la mer crase zo. Parce qu'il n'a pas fait la mer pour intégrer le corpus social là, pour gérer la vie au quotidien des citoyens. Mm-hmm. Et c'est pourquoi il a été compris depuis bien longtemps. Mais il n'a pas allé François là pour la période, l'OIT fait la police, il a des uniformes bleu et bleu ciel. Et l'armée tenait un uniforme traditionnel, kaki, ou bien vert olive, ou bien tacheté, suivant les cas. C'est parce que les dirigeants ont commencé à comprendre que tâches policières différentes de tâches de l'armée. Et que dès qu'ils préparent pour l'armée, ils n'ont pas de discussion avec nous, ils n'ont pas de discussion avec nous. C'est pour ça qu'ils font l'armée. Si ça fait, ouais. Dans les pays normaux, on peut gagner la police, la gendarmerie, l'armée. Pour l'armée, on est venu obligé de suspendre les libertés individuelles. C'est une notation que Tebara qui était mettée l'armée d'Haïti dans la situation de terre. Depuis côté formation, orientation, on n'est pas fait pour gérer les problèmes quotidiens des citoyens, elle n'est pas faite pour ça. Mais l'armée a tout éliminé dans la politique. Donc, en quoi ça a été mené à. Mais toute l'armée à travers le monde a un rôle politique, un rôle de stabilisation politique. Par exemple, souvent l'armée, comme l'armée des États-Unis, c'est équilibre politique entre partis politiques, gens organisés qui fait l'armée, n'a pas intervenu dans les questions politiques. Et il a tellement de paliers de sécurité, parce que pour sécuriser l'armée, il y a une série de bagages qu'il ne faut pas voler là-dedans. Le salaire a mis une image, une structure de protection aux citoyens. Et c'est ça fait, dans tout le pays, nous avons toujours aimé les soldats. Parce que les soldats avaient dit que ça, c'est nous qui acceptons pour mettre la ville en danger, pour protéger la nation globalement. Coup d'état raté autour, coup d'état, veux-tu en voir là, tu es dérangé, image la mienne. Ce n'est pas coup d'état qui est naturel. Les structures organisationnelles de démonter. Pour qui ça? La mer a un réflexe de protection. La mer, c'est de prendre tête comme un matador superbe. La nation, c'est lui-même. Et l'autre histoire nous liée à force, à puissance, l'armée. Donc, la structure politique désorganisée n'a pas fonctionné bien. L'armée a vu l'unité comme un élément de dernier recours et les salariés tendance pour monter pour la réorganiser le système. Or, le contact entre la politique et l'armée sont contacts qui n'est pas fait pour fait parce que l'armée a une tendance de domination naturelle. Il est fait pour ça. Elle n'est pas qu'à faire différemment. Maintenant, c'est pas lié à l'organisation et la société qui fait pour fonctionner bien, de telle sorte que l'armée n'a pas gagné pour intervenir. Alors là, on dit que l'institution de l'armée qui parle à Josia, responsable de ça, n'a vivre comme réalité la sécurité Haïti. C'est pas une disparition de l'armée qui est responsable, c'est retirer l'armée et pas remplacer par des structures similaires pour faire travail que le temps fait que le PAD doit impliquer là-dedans. Par exemple, l'opin, l'armée d'Haïti, que moi-même, j'étais moi membre là-dedans. Mais tous les matins, on a un rapport qui vient de tous les départements, qui dit combien de cabines qui viennent dans tel marché, combien de bœufs ont volé, combien de gens ont arrêté, combien de crimes qui ont été gagnés. Et tout ça passe dans ta tête, c'est un tableau de bord de pays tous les matins. Pour qui ça? Parce qu'il était organisé par une série de relais qui étaient distribués en un espace géographique là et étaient des points de contrôle. Par exemple, dans la section communale, il y a deux mines qui ont des problèmes entre eux. Et bien, ils connaissent Foyer Kai, chef section, pour étrancher ça. Donc, chef section, qui est un membre de l'armée, vient à remplir une fonction de juge. Pour qui ça? Parce que pas de monde qui est placé dans la section communale là pour régler les problèmes de justice. Donc, Riville a pris un rôle de sécurisation tout le monde et d'harmonisation du corps social là. Or, assez souvent, il n'y a pas forcément de préparation pour ça. C'est là que le conflit va prendre naissance.
l'homme a le sentiment que y a un abus que le subit de monde qui était là pour rendre justice. Et tout système n'a pas de dégoulé. Maintenant, l'homme vient de monde qui vient monter au pouvoir, qui connaît le pouvoir seulement à Para et Ndakabdou, théâtre que nous faisons dans le pouvoir ici, et circuler dans la machine, et faire vitesse, c'est mettre un droit de passage sur tout le monde, qui mauvaise expression pouvoir, que un peu admire au point que quoi que c'est ça qui pouvoir, et me vient bas au délitement, côté valeur commence à casser, parce que valeur toute société consolidée à travers le fonctionnement des institutions. Mais même dès que les institutions commencent à mal fonctionner, on a besoin de monde qui a émergé et qui a sorti pour un pouvoir pour croire que société a besoin d'une réponse à problème qu'a posé. Vous avez parlé tout à l'heure du colonel de but, façon de faire politique, à qualité de monde qui a fait politique, traînez tout sur le terrain aujourd'hui. C'est évident. Par exemple, nous engager, nous ne bagaillons que la démocratie. Nous avons un gros problème. Est-ce que nous, qu'a dit démocratie, c'est bon système, est-ce que vous connaissez allié? Si vous connaissez allié, dans l'espace que vous allez imposer là, est-ce que les conditions sont réunies? Nous donnons même l'image de 15 ans, 13 ans contre nos cailles. Est-ce que vous avez conscience saliée et qui j'en fait pour fonctionner? Est-ce que les conditions sont réunies? Première base de fonctionnement de démocratie dans toute société, c'est l'éducation. L'éducation, côté depuis l'école, depuis nos cailles là, si nous connaissons une hiérarchie, frère ou des soeurs qui sont plus grands par rapport à lui-même, et il va chercher à monter jusqu'à maman ou papa. Est-ce que nous sommes ça ou valeur ça ou conservé? Est-ce que relation qui est entre nous ça et l'autre nous ça, chaque connaît que nous fait pour de respecter l'autre? Il y a des bagages que vous parlez de faire. Et là, il y a des conflits entre vous, est-ce que vous côté que vous référez pour aller résoudre le conflit? Donc, c'est le principe de base. Premièrement, on connaît que l'autre a existé. Deuxièmement, on connaît que l'autre est différent de moi. Troisièmement, on connaît que dans la relation avec l'autre, là, nous devons avoir des désaccords. Mais la société a organisé, là, nous avons des désaccords, nous devons côté pour aller. Donc, dans notre structure, ça a remonté. Par exemple, on m'a dit pour nous fonctionner dans le système démocratique. C'est très bien qui ça veut dire. Ça veut dire qu'on a de belles idées pour le pays, de belles idées pour la société, de belles idées pour le pays. Mais si vous êtes capitaine de là, faites proposer, mais comment on peut le faire pour faire sortir l'affaire? Et si ça peut faire la différence entre un leader et l'autre, et nous qui peut choisir l'idéal, pas choisir l'idéal parce qu'il semble à elle, nous pas choisir parce qu'il est même, nous pas choisir parce que c'est nous-mêmes qui avons une meilleure idée. Et qui donne le moyen pour mettre l'idée sur une application pour nous-mêmes comme citoyens pour le cap bien. Malheureusement, plus faire nous faire politique ici, c'est pour nous satisfaire l'intérêt, nous améliorer les conditions, mais pas pour nous servir le cheveu. Mais nous ne sommes pas même conscients de cela. Nous avons écrit un politique qui fait des bagailles bizarres, ou t'as dit nous sommes méchants, mais nous ne sommes pas même conscients. Mais tout simplement, reporter nos comportements qui est lié à la perception que le gain de chair est là. Par exemple, pour nous, cap bonnet pour ouvrir le pouvoir. Mais vous ne connaissez pas qui ça pouvoir. Vous ne connaissez pas qui problème qui gagne. Vous ne connaissez pas qui méthode pour vous utiliser pour résoudre le problème. Vous tout simplement, ouais, mon chef, ça s'arrête là. Maintenant, l'homme nous l'ouvre avec toute bonne foi, ou elle pas capable de résultat. Mais au départ, vous êtes déjà connu que le pas capable de résultat. Par exemple, problème de parler de l'insécurité. C'est une situation d'inconscience. Là, pour nous qui croit ces méchancetés, c'est une situation d'inconscience qui mène nous là. Cela veut dire que un pays a organisé un jour pour sécurité, nous avons besoin des armes. Il y a un côté pour acheter, il y a un côté pour faire entrer, il y a un côté pour contrôler, il y a un côté pour stocker. Mais il y a un pays qui connaît que ne pas mettre aux armes dans les n'importe qui monde. Parce qu'on veut remettre les âmes dans le monde, donc préparation, on ne peut pas lui ça. À l'académie militaire, par exemple, nous rentrons comme cadet.
nous passons au moins 2 à 3 semaines dans faire exercice sur Bajan Manouzan. Première fois, nous mettons les âmes dans le menu, nous mettons les âmes dans le menu après 3-4 mois. Après, on pile pour le film fait pour nous. Et on va aux amis sans ou bien cartouche. Donc, au fait, c'est un bout de bâton que vous avez. Mais on commence à faire tout, à prendre qui ça aux amis. D'ailleurs, il faut habituer aux amis, il faut monter, démonter, nettoyer, etc. On doit passer près de 8 mois avant de mener dans le chantier et que vous avez le deuxième élément qui fait partie des amis dans la munition. Mais vous avez un pile travail pour faire pour nous trouver. Ou bagay ki pi dangereux dans la vie son zam. Et puis du par exemple, nous c'est une action. Le bon zam n'a pas la kao. Le bon zam qui pi dangereux, son zam pour supposer que le passager. Ah bon? T'as fait ça, fais ça. C'est des actions, par exemple, si nous la kao, nous zam n'a chambre. Et puis nous t'avons kao, nous zam n'a dirigé dans la direction. Ou nous, ou bien dirigé dans la direction. Ou après, on a volé automatiquement, on a le volé bouche là, non? Même si ça n'a pas compris. Même si ça n'a pas compris. Ça m'a déposé sur une table de chevet. Et puis, nous, le canon, ça m'a dirigé la direction. Par une performance, par une sauter à le volé canon. Alors que ça n'a pas compris. Pour dire ça, parce que nous sommes bêtes dressées, mais on est qui ça a amené. Maintenant, on nous dit le matin, nous avons mis dans le monde, qui n'a pas aucune préparation pour ça. Seul bagage nous connaît le capturer avec ça. On va arriver là. Mais institution de socialisation, ou pas quoi tout, il y a un rôle par eux, il y a une responsabilité par eux que par assumer, qui fait que aujourd'hui, on a parlé de ça, on a vu la réalité ça, l'école, l'église, la famille. Mais une société, par exemple, déstructurée non point, assez souvent son bagage général. Ces affaires n'ont pas parlé des valeurs à l'intérieur de la famille. Maintenant, qui s'attrape fait valeur détériorée à l'intérieur de la famille? C'est les mouvements économiques. L'inexistence de l'emploi. Parce que un an, quand il y a une hiérarchie très stricte, de papa, maman, petit, et à l'intérieur, petit, qui a une relation entre sa petite et sa pigon. Il y a un monde qui l'a pour mener fond bizarre. Et présence comme ça, bal une responsabilité, c'est pour faire qu'elle la vive. C'est pour le travail, pour le cap des moyens économiques, pour le père, pour prendre soin, madame ni ou bien Marie, et petite ni. Dès lors que le monde qui chef là, n'a impossibilité pour répondre à besoin ça. Ce n'est pas parce qu'on a impossibilité qui fait besoin en parité. Donc, par réflexe humain, il y a un homme dans la famille qui peut chercher et moyen. C'est un réflexe humain. C'est que pour le bout, on va virer dans le caillou, on va virer tout partout pour voir qui ça, on t'a mangé. Ça pipe rien. C'est un réflexe humain. Maintenant, le monde qui vivait, porté dans le caillou, moyen de survie, il vient automatiquement, il prend place papa ou bien place maman. Or, si par exemple, c'est il y a un petit jeune fille qui est là qui veut protéger ça. Ce n'est pas vrai. Automatiquement, c'est lui qui a une possibilité pour vous témoigner. Mais vous prenez charge, responsabilité, papa ou bien maman tout, alors que vous n'êtes pas forcément préparé pour ça. Donc, venez ça une dégradation dans la cellule familiale là-même de la notion de responsabilité. Et situation ça pour servir d'exemple. Pour sa pipiti ou tout, qui peut le faire quoi, que c'est le moyen, jeune fils à utiliser, c'est le même niveau parce que c'est lui qui a le résultat. Et pour lui, il y a une dévalorisation, côté ces jeunes fils à qui peut le valeur dans les yeux de l'autre, et valeur dans ma avec papa pour le baisser. Donc, cette petite déstructuration, ça, qu'il y a dans des organisations sociales, là, puisque ça fait grand peu de monde qui a fait politique. Nous allons utiliser utilisé dans les pays normaux pour pouvoir créer plus d'emplois. Pourquoi? C'est à travers le travail que ces cellules familiales sont consolidées et développées. Donc, là où pas fait ça, ces cellules familiales sont désagrégées, mais tout palier sécurité après subir les conséquences, tout palier société.
Par exemple, nous pouvons nous rencontrer qui nous banditif jeudi, nous t'a dit mon salta qui a venu bandit, ça peut être passé dans la tête. Mon pile de circonstances qui n'a pas rien pour avec comme monde directement, qui peut le mener sur chemin ça, et on peut jouer de monde qui peut profiter de dérèglement ça. Qui va, ah, mon cher, son bon palier là, si je fais business, je fais business munitions, etc. Et que la plus facile. Parce que c'est un produit pas gâté. Il a plus facile. Parce que c'est de tigrisme en tigrisme, mais nous devons en maison généralisée. Mais chez nous, tu as la langue. Absolument. Alors, mais ça nous dit là, pour le début, il va toujours comme ça. Ouais, pendant 3-4 dernières années, nous vivons au niveau tête chargée. Donc, sur chaque fois, nous descendons, nous ne pouvons pas descendre plus bas et puis nous continuons à descendre plus bas. C'est parce que venir sauter, par exemple, en nos sociétés, c'est pas tout. D'ailleurs, c'est une bataille mondiale liée pour gouverner, arriver, faire mieux le travail, pour créer plus de travail, permettre investissement. En fait, c'est une bataille permanente. Mais comme c'est pas toujours arrivé by satisfaction à tout le monde, les devises dans la société sont possibles. On va voir des gens qui peuvent voler, on va voir des gens qui peuvent poser ou c'est des actes pour chercher à survivre. Jusqu'à ce que vous installez dans le mauvais accord comme un moyen de l'impotence. Mais peut-être qu'il n'y a pas de gros moyens, colonel Rebu. Mais justement parce que les paliers de sécurité de l'État étaient là. La justice existait, la police était là pour aller des délits avec contravention. Et même on fait la police était présente pour te stopper. Et pas stopper dans le sens, il n'y a pas les services. Par exemple, on est qui dans la circulation et rentrer dans le sens unique. Eh bien, tout citoyen connaît que M. Pagé doit rentrer dans le sens unique. C'est l'existence de la loi. Conscience de l'existence de la loi. Le fait, citoyen connaît, M. Fonda est anormal. Mais le fait, bagaille qui est anormal, là, c'est un policier qui fait porter là pour te stopper. M. vous dit, attention, vous rentrez là, pas de rentrer là, vous avez une contravention. Mais la contravention veut dire qui ça? C'est une punition que le vous avez fait qui mal là. Mais pour le dire que monsieur fait ça mal, il est puni. Donc vous connaissez le monde pour ne pas faire ça. Mais là, monsieur fait ça, le policier a mal là. Il y a 15 personnes qui ont gardé. Il y a 12 qui ont dit, ah monsieur fait un barré qui n'est pas normal là, il n'y a pas de faire. Mais il y a 3 qui ont dit, si monsieur fait, moi-même qui a fait tout. Parce qu'il y a des conséquences pour lui. Donc ce type a lieu ça qui suspend exister, qui vient dans une besoin généralisée jusqu'à ce que, par exemple, voler. Je ne connais pas l'âge très jeune, je ne connais pas. Nous entendons les gens qui volent, nous mettons honte. Nous mettons tellement honte de connaître que voler, c'est pas obligé de tenir pour faire ça. Pour aller tendre tout mon abdomen, pour aller subtiliser mon bagage. Pour dire ça. Parce qu'on connaît qu'on n'est pas fait pour faire. Parce qu'on connaît qu'il n'est pas bon. Maintenant, c'est une circonstance qui a fait obligé à faire ça. Comme on n'est pas bon, on fait les gens pour une parole. Dans les tissus sociaux, à travers la campagne, surtout, le monde volé, il était fort passé dans tout quartier pour faire société à reconnaître que son volé. Et assez souvent, le qu'on fait chanter sur nous, pas pour, c'est le rejet que société a gagné par rapport à son frère. Maintenant, aujourd'hui, voler, vous avez dit voler pas caché, mais bien voler, pas voler, mais il y a un peu de la journée. De vous n'êtes pas être le monde au sommet, que vous c'est un bagage normal. Donc ça veut dire une dégradation dans le tissu social là, qui vous fait maigre, quoi que le gain doit faire ça carrément, à un point que vous voulez presque vous imposer voler là comme norme. C'est voleur qui décidait. Même Jean Lopoué, nous avons gardé pour ce maintenant de monde qui paraît dans le marché public, carrément. Et puis il y a placé des gens qui perceptaient, il y a touché taxes, etc. Pour qui ça? C'est vide l'État que le maître vient remplacer. Parce que se dit que la nature a du vide. Donc, comme l'État n'est pas là pour faire ça, le faire, le citoyen pouvait penser que lui va faire ça. Maintenant, par vous l'État, mais au bénéfice personnel. Alors la normale, malheureusement, devient normale dans ce pays. Je dis à un phénomène de gangstérisation, de quartier, je dis à ces groupes amis qui ont contrôlé, et c'est ça que vous voulez faire.
et parfois même l'État nous mettait en déroute. Nous avons un rapport CNDDR qui parlait de 96 gangs là, en 2019. Hein. 96 gangs, nous disons que ça est capable d'augmenter. Et question qui va plus, c'est une madame qui dérange plus fort dans la société. Ça, le tupor de ça qui a passé là avec gangstérisation. Maman avec papa qui n'a pas fait travail, qui n'est pas là, ou bien vient dénaturer, dans même si ma joie m'a baou. Maman avec papa seulement? Maman avec papa qui n'a pas de place, qui n'a pas fait ça, ou t'es gagné pour te faire. C'est même image dans ces cellule familiale là, où est cette jeune fille qui a 15 ans, 16 ans, c'est lui-même qui sortit, c'est lui pour te manger, c'est lui pour te cob, c'est lui pour te rad, pour tes frères, etc. Donc c'est lui qui vient chef là. C'est maman avec papa qui, ou bien pas dans la place, ou bien dans la place, mais pas comme qui ça pour faire. De toute façon, vous ne pas répondre, fonction cellule familiale là, t'es bien. Mais par exemple, j'ai 70 ans. Mais il y a des paroles qui s'étendent, m'attendent de sortir de la bouche. Il y a des gens qui ont sorti de la bouche. Par exemple, une blague qui a fait jolie pour un monsieur qui vient, qui a charge pour le régler tout Paul d'Haïti. Bien que le lapin, le m'a dit de bas et contre ça, il dit que lui-même, c'est Haïtien pour dégager. Il y a le monsieur foot. Mais chaque fois qu'on dit le foot, il n'y a pas sorti de la bouche. Bien que vous connaissez, ce n'est pas foot, mais habitué de dire. Pour que ça passe dans l'éducation, il y a des bagages, mais pas qu'à dire, papa mourit depuis près de 30 ans. Mais il y a des mots qui ont sauté dans le mouvement, automatiquement, j'ai une image, papa mourit devant. Mais on connaît que je ne peux pas répéter ça. Pour que ça, il y a une formation familiale, distinguer le bien du mal. Donc, dès que je mourit devant mal, là, on bloque. Maintenant, c'est toute barrière ça au tissu social là qui tombait et puis qui vient monter juste à tête l'État. Mais avec ça qu'a prouvé, je veux dire, le monde a l'impression que l'État paraît dépassé, l'État paraît impuissant. C'est l'appréciation pour tout. Mais l'État n'est pas capable de pas dépasser ou impuissant, mais vous retournez dans la même image là. C'est le monde ou papa qui nous caille, qui n'a pas de travail. Ce travail-là, pour t'a faire, pour t'a gagner quoi, pour faire ça, ou bien pour faire, pour former, il n'y a pas de travail-là. Donc, il est dépassé. Ce qu'ils ont fait, ils ont volé. Ils n'ont pas connu qu'ils ont volé. Donc, c'est ce qui est là, quand on fait un bagage, il y a beaucoup de moyens dans le cas-là. Les gens ont bien monté, ont bien tranquille, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est normal. Par exemple, dans le monde qui est rentré dans la tête de l'État, mais c'est visible depuis les appels, il n'y a pas qu'on est qui ça l'État. Il n'y a pas qu'on est qui j'ai organisé. Par exemple, ma présente PAM. Nous sommes un très bon spécialiste en matière de sport et d'éducation physique. Mais pour ça, on connaît tout qui ça qu'on fait, qui est bien, qui est normal. Au point que l'abri le mal ministre, le développement mental. Comme ministre de défense, j'ai des raisons personnelles qui ne font pas d'accord. Mais je dis, si c'est pour le ministre, je préfère aller comme ministre des sports. Pour ça, parce que je connais dans le domaine ça, je connais tout ça, je connais ce qu'ils ont pu faire. Nous avons passé 10 ans dans le TNH à montrer mon fait sport là, Caillou. Mais j'ai dirigé 7 sports de Carrefour côté de ta recevoir et près de 3-4 000 timons tous les jours pour entraîner, préparer, pour recevoir 15-20 000 personnes dans le match tous les week-ends. Donc, on connaît qui ça peut faire. Tant au niveau de la formation qu'au niveau de l'exploitation, au niveau spectacle du sport. Maintenant, c'est ça que je dis, je préfère aller comme ministre des Sports. Mais là, au niveau du ministère des Sports, ça peut venir pour nous faire techniquement, le même garder mon web, nous pouvons qui employer. Que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pensons pas comme ça. Nous ne sommes pas prêts. Une administration va toucher pour pas là. Nous avons gardé, si nous avons 539 000, nous avons 700 000 là. Tout le reste là, pas là. Nous avons touché chaque mois. Donc nous avons perdu du temps pour m'envoyer les communes, faire venir les gens qui ont besoin de venir travailler dans le ministère pour avoir une place.
Même si vous avez une place à Captouche et Dibaï, j'aime bien le ministère. Donc, nous avons perdu du temps pour résoudre un problème qui n'a pas dû exister. Donc, après ça, nous allons passer pour une même qui n'a pas de résultat. Parce que nous sommes nous ne pouvons pas penser qu'il y a des bagages, nous avons fait dans le ministère ça. Que ça t'a passé, dans la tête de nous, David, fait ça. On est un organisme de l'État. Peut-être que vous avez dit avant d'entrer, de vous rencontrer pour aller. C'est ça qui veut. Parce que ce qui est normal, j'aimerais la fête pour fête là. Et j'en ai mal fait pendant quelques temps sur l'autre leçon. Parce que si vous parlez de leçon, vous n'allez pas pouvoir vivre bien, vous voulez faire. Donc, depuis que vous voulez être l'État, en toute innocence, avec toute bonne volonté, vous gagnez de bons rêves, de bagages que vous pouvez faire. Et puis, c'est le niveau où vous passez 95% dans le temps. Après, il est éteint, nous n'avons pas existé, nous n'avons pas de temps pour faire ça ou nous faire. Parfait. Alors là, maintenant, Colonel Rébu, je dis à l'avance que toi, après, les quatre départements n'ont pas accès à l'eau facilement. Matissa, tout nous fait problème. D'ailleurs, il y a des armes de kidnapping qui sont censées. Nous sommes capables pour nous là, tous en quoi de boulot, Delma, etc. La situation, la saline, je dis à ce moment-là, passer sur le secteur avec un pile qui est cassé, un peu de difficulté. Monsieur qui n'a pas exhibé des armes sur les réseaux sociaux et des armes tête chargées, et de nous capables de côté de ça. Mais dans tout le pays, l'État va être moyen pour garantir la sécurité de la population, pour garantir la sécurité citoyenne. Ça qui passe aujourd'hui en Haïti, j'ai l'impression que c'est monsieur Dame Sarah qui a fait la loi. Et malgré l'autorité qu'il a, retourner une petite demoiselle 16 ans dans Kaila. Seulement ça? Oui. Mais vous savez, l'État n'a pas de tête de moyens pour gérer ça. Mais pour l'État, pas de tête de moyens pour régler ça, d'abord il faut comprendre comment il organise l'État. Donc, il faut le comprendre, même si je ne veux pas si je dis foot, je ne pense pas à papa tout de suite, il faut distinguer qui ça a droit faire, qui ça n'a pas droit faire. Et il faut connaître des mécanismes qu'il a. L'argent de ça, il va bien faire à sa caprivé. C'est notre tête, l'État, tout problème est sorti. Par exemple, tout en temps, il a dit, pour bailler sécurité, bailler sécurité. Ok. Est-ce que vous bagaillez les CSPN? Côté, on a une équipe premier ministre, on a une équipe ministre de la justice, on a une équipe ministre de l'intérieur. Mais c'est eux qui chef CSPN. On est quand même tout. Pardon? Il fait qu'on forme tout. Où est-ce que vous formez? C'est de quoi nous formons des fois. Maintenant, vous venez, nous qui avons structure force là, non, maintenant, c'est chef de la police là, avec un assistant qui est dans le CSPN. Nous qui voulons chef là, nous ne pouvons pas connaître rien dans le bagage à diriger. En sécurité. Nous ne pouvons pas connaître rien dans le bagage à diriger. Mais qui ça a fait? Tu as fait tout à grand assesseur. Bon, on dit par exemple, chef de la police a réuni avec le ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, premier ministre, dans le CSPN. Et puis on décide de faire l'opération. Qui est-ce qui est chef de la réalité? Chef de la police là, c'est le Koné. Bon, si lui dit qu'il qui va ça, s'il raconte au Tintin, qui est bon premier ministre? Le ministre de la Justice là, le ministre de l'État, il dit non, non, non. Soit dit la technique, on ne passera pas comme fait comme ça, mais qui vient le faire pour le faire. Moi, je fais une commande, la CSPN va se présenter. Mais ce n'est pas où va se présenter, parce que les décisions, c'est ça que vous nous venez, les décisions en matière de l'État, ce sont des décisions politiques. Là, le chef de la police, au fait, il n'a aucune responsabilité parce que c'est juste l'exécutant. D'ailleurs, il dit que la police est l'auxiliaire de la justice. Ou même qui est auxiliaire, nous avons décidé au même système. La police, est, dans sa représentation hiérarchique, n'est pas une instance de décision. Maintenant, nous qui doit prendre une décision, est-ce qu'on armé pour ça? Est-ce qu'on comprend ça va faire? Est-ce qu'on connaît? Mais nous, dès lors que nous ne connaissons pas, nous venons de notre maman avec papa qui sortit nous au livre. Les satimes nous viennent d'ailleurs. Ce n'est pas rien qui nous veut de plus. Par exemple, maintenant, si nous tournons dans le cas, le président de la République, là, qui nous dit, j'en ai mis. Je ne dis pas comprendre. Mais papa, je ne dis pas comprendre. Le fait, c'est que nous, effectivement. Mais là, pour tout le bagage qui était fait
pour pas mourir. Il est tellement simple, il est tellement normal que ça qui est à ce moment-là, il est arrivé. Il commence à qui bon. Il commence à comment organiser la sécurité au pays. Sécurité au pays toujours organisée par rapport à l'autre pays. Parce que, en théorie, l'homme est un loup pour l'homme. Tout malheur qui a brisé le pays a sorti dans un autre pays. Si ça fait pour résoudre le problème, ça, il y a deux instances. Il y a l'espace physique, vous parlez des frontières. Frontières, c'est qui bon? C'est des points que vous avez traversé pour sortir de mon pays, pour venir entrer dans le pays. Ça. Il y a deux choses qui ont fait un pays mal, c'est le monde, c'est le matériel. Vous mettez l'immigration pour contrôler le monde, pour contrôler qui est qui sort de mon pays, qui vient dans notre pays, c'est ça qu'il faut être pour le système de sécurité au pays, c'est le système de bon visa. C'est-à-dire que vous scrivez le monde, qui qualité citoyen ça qui veut venir dans tel pays. Et vous avez une autorisation. Malgré une autorisation, vous allez entrer dans le pays, vous faites une série de déclarations pour dire, quand vous allez, qui soit prêt à le faire, quand vous allez mettre, combien de temps vous allez faire. C'est le l'offre de visa ou rentrer dans le deuxième screening de l'offre. L'arrivement, immigration, vous contrôlez, vous faites remettre papier, vous contrôlez tout ce qu'on dit. Puis, dans l'état normal, l'offre entrée, immigration, vous voulez papier ça. By la police. La police connaît tel monde qui est dans le pays à tel l'air, la descend tel côté. Quand y a même la police, elle organise les gens pour, dans l'hôtel que tu dois descendre, l'hôtel a un rapport que vous voyez par la police, dans la zone que tu es. Laisse à la police dire, sortez dit dans le papier, effectivement, c'est son fait. Malgré tout, si vous avez un bon suspect, vous êtes obligé de un système de filature qui peut prendre compte tout côté déplacé qui soit fait pour aussi sortir de la conformité avec son système de surveillance des personnes. Mon deuxième sujet, il est la douane. Vous mettez la douane pour contrôler qui qualité bagaille, qui sorti dans un pays, qui rentré dans un pays. Il y a aussi des bagailles qui interdit armes. Munitions. Parce que son seul monde qui a le droit à faire ça, c'est l'État. Maintenant, vous mettez plusieurs paliers pour contrôler si vous avez capoté des armes, capoté des munitions. Par exemple, ma pente a dit que les Colombiens qui étaient participés à l'assassinat du président étaient rentrés dans le pays depuis 3-4 mois. Bon, ça a plus grave toujours. Cela veut dire que vous arrivez à participer dans ce participé à, parce que le travail que l'État a fait sur la circulation des personnes qui n'est pas fait. Mais on peut dire que ça n'a pas de fait, on va connaître. Maintenant, la douane, il y a tout ça qui a rentré, qui sont des armes, on dit là, mais ça va m'empêcher de regarder les armes qui sont disponibles dans le gouvernement. Ah, parce que, j'ai organisé la douane, non, il n'est pas organisé, j'ai fait pour l'organiser. Tout simplement. Même qu'on a obtenu des chefs qui ont parlé, qui ont dit que c'est un tel qui a la douane. C'est un tel qui a la peine. Donc, c'est donc vous allez parler de lui. Partage gâteau, vous comprenez? Donc, c'est quand vous pouvez avoir une vaste désordre, ce n'est pas des fonctions régaliennes qui viennent pour faire, qui viennent pour respecter tel côté. Nous cherchons un monde qui connaît, qui vient faire ça et qui prend responsabilité. C'est des gens qui ont besoin de satisfaire l'appétit personnel. Ils ont été pris pour nous, ils ont été pris pour nous, ils ont été pris pour vivre. Mais malheureusement, ça n'a pas de dimension, parce que si on a une dimension, pendant que les âmes sont arrivées, côté arrivé là, et le cartoon n'est pas matin contre eux, par quoi tu as fait. Mais c'est ça, nous, une situation de totale inconscience. Nous n'avons pas de problème pour nous bailler ou nous poste. De toute façon, c'est nous qui nous mettons là-dedans. Nous n'avons pas de problème que. Il distribue le poste, c'est Gino dans la politique, et qu'elle vient et dit bon, qu'elle lui-même, il met balle communication avec TNH. Ma balle, c'est Gino. Parce qu'on connaît, lui connaît, qui sait pour faire un secteur ça. Mais si elle prend une aide du machin Frisco, parce qu'il est appuyé par le colonel Rémi et puis au Mali, le dirigeant de la télévision nationale. Je suis que après 15 jours, comme tout le monde de la télévision nationale, je vais me tête bas. Mais il n'y a pas comme ça pour faire, mais il n'y a pas de dimension pour le job là. Mais il y a deux bagailles, il faut le connaître.
Mais au-delà de connaître technique, ça veut dire que je passe 10 ans de travail dans le TNH. OK? Mais je parle technicien de la télévision. Par exemple, vous voyez une qui est dans la régie, ce n'est pas mon qui devant la caméra. Pour chaque rôle, pas eux. Mais nous, nous, nous qui comptons tout, nous savons que j'ai pour harmoniser. C'est ça que nous pas fait dans la tête de l'État. Même si on a distribué des bails pour nous satisfaire l'instinct, mon qui avait chef, etc., ou bien mon qui voulait institution ça, pour qu'on vienne faire quoi de parle, pour qu'on balle dans l'élection, pour qu'on puisse chef tout, etc. Pas de problème. Mais bah, au monde qui connaît qui j'ai pour faire travail là. Bah, au monde qui connaît, leur paraître pour lui ça pourrait le faire, c'est comme un médecin, il pourrait le poser un diagnostic pour connaître qui ça là, pour qui ça là, et il connaît qui j'ai pour le faire pour qu'il fasse ça là différent. C'est tout simplement ça qui pas fait. Maintenant, je vous dis, là, nous venons les petits mounos qui viennent tourner papa, maman, comme petit mounos dans les réglages. Pour moi, pour ça, nous, là, on est qui nous amène, nous amène les gars. Bon, il n'est pas caché, il peut être, nous avons une position, il nous vient sur une situation d'inconscience totale. Ou bien de conscience totale. Mais en plus, quand il accuse de mon café politique, je crois que c'est eux-mêmes qui démèchent avec Manzio, avec le groupe Axam. Mais il faut que vous ayez tout. Laissez aller ça. Mais vous retournez dans la même image, là, maman, à papa, encore qui sortit dans le monde. Ça fait des mouvements dans le secteur privé, dans le cas. Mais c'est même qui le secteur pour vous, pas un, c'est des petits mouns qui ont fait des autres dans le cas là. Parce que vous avez dit que l'État qui l'a pour mettre chaque monde en place. Nous avons le secteur pour vous, où on laisse faire business, investir, faire comme, bail travail. Maintenant, comme nous vivons nos points, c'est lui-même qui a pris un cobre pour bail monde qui a besoin d'une poste politique là pour faire campagne. C'est petit jeune fille qui tourne les lumières. Comme c'est le bail, mais qui voulait aller député, sénateur, président, comme pour faire travail, automatiquement c'est le maman, c'est le papa. Parce que nous qui nous avons un rôle en l'air, perdu place. Ou bien, moi par exemple, moi-même, je ne connais pas aucun bon église, les affaires ne sont pas jamais caporal, je ne peux pas mener une campagne en Haïti. Premièrement, l'éducation, nous ne pouvons pas apprendre à nous demander. L'éducation familiale, demander est honteux. Le va demander un monde. Donc, on va voir que j'aime ta parler devant nous, nous besoin de sénateur, nous besoin de député pour nous demander pour le bon cop, pour nous cabal faire campagne. Si nous ne pouvons pas faire campagne, ne mettez pas candidat. C'est ça, puis ça, là. C'est ça, l'éducation. Là, on a un film pour un cop, mais là, mal faire campagne. Nous venons de la position. Donc, comme il y a des problèmes de bonnes, ça s'est passé. Mais comme il n'y a pas, je ne sais pas, je vais mourir dans la République. Non. Comme il n'y a pas obligé, c'est pas ce mouvement dans la République. Comme citoyen, investi dans un projet, il croit qu'il y a un pays. Mais c'est pas Wally. C'est pas Wally. C'est pas Wally. C'est pas Wally. Mais il a participé, non, mais pas. C'est pas Wally. C'est justement. Qui ça, un parti politique? Un parti politique, c'est nous, nous qui avons des idées, qui vont faire pays ça avec plus bien. Bon, puis nous qui adhérons à l'idée ça, vous venez pour renforcer l'idée ça, pour faire venir des plus belles idées, et puis vous mettez quoi de vous cotiser pour l'idée ça qui a venir. C'est ça qu'un parti politique. Non, mais je suis pas toi. La parti politique, le parti politique, c'est la cotisation des membres. Maintenant, nous, ça, des droits comme citoyens, nous partager l'idée ça, c'est ça qu'il faut voir. Chaque secteur de groupes que supporter. Mais nous supportons l'idée pour un pays qui est plus bien organisé, pour qu'il fasse business plus bien, pour qu'il gagne plus d'hommes et bien plus d'emplois. Moi-même qui veux venir chef, moi je veux président, sénateur, etc. Moi, d'accord avec monsieur pour nous capables de permettre le développement du pays à travers l'idée que monsieur, pour monsieur lui-même, capable de faire plus d'investissements, pour nous capables de faire plus d'emplois. Maintenant, le bagage a vu le parti à sec, on va venir, et puis c'est négla qui va le supporter. Dès lors que négla va le commencer, l'a supporté. Bon, côté, c'est lui-même qui vient nous mettre, c'est ça. Nous venons entrer dans une prostitution de qui Jean l'État a fait pour être organisé sur le plan politique. Parce que, on a dit aujourd'hui, le parti politique depuis
peut-être 20 ans. Bien placé pour vous. Moi, par contre, sous ta main, nous enquête, nous avons vu 5 partis politiques en Haïti qui ont 10 000 membres et chaque membre ça a eu, chaque mois, bah, ils ont adopté un parti. Ça veut dire que le parti ça a eu 10 000 dollars chaque mois. Parce que le membre a cotisé, ce n'est pas vrai. Donc, il n'y a pas de parti politique. Mais vous avez même cherché, vous cherchez. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que c'est tel ou tel parti à fond coup, ou bien chef parti à fond coup. Par exemple, nous-mêmes, ça arrive deux fois de ministre, de secrétaire d'État. Mais c'est pas qu'il y a un pire problème dans le parti, alors il vient de dire, à beaucoup de gens en opposition. Il me dit, mais écoutez, mais qui vient de retirer un monde qui travaille, parce que nous avons dirigé là, pour mener les fanatiques, pas venir pour la place. Ah non, nous ne l'avons retiré, il est dans le monde. Où est la police dans tout ça? Le vieux à sa capacité. La police. Mais comment tu as pris sécurité au pays où la guerre sous le dos la police? À moins qu'on fasse la police, elle fait un job qui n'est pas job. Mais c'est nous bien, je veux dire. Mais c'est ça, m'a dit, où on a fait mal, il faut que nous ça fait qui s'allie. Ou pas qu'à prendre sécurité au pays pour mettre sous le dos une institution qui est la police. Parce que la police est là essentiellement pour ça, c'est pour la prévention des délits, des contraventions, des délits et des crimes. Le fait pour être à positionner en vent pour ça va arriver. Est-ce que tu as mis la police à contrôler la douane? Si la douane n'a pas fait travail, j'en fais pour le faire. La police n'a pas fait le boulot. La réponse c'est non. Si une immigration n'a pas fait travail, j'en fais pour faire. Est-ce que la police responsable de M. Colombien a obtenu le pays fait combien de temps pour faire besoin de gauche à droite? Est-ce que la police responsable de M. Sept Mercenaires américains qui ont été pour le dimanche matin, etc. Bon, la police a fait travail, il a circulé sur le territoire. Avec des amis, la police a arrêté. C'est la police a plagué. Qui fait merci, 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 normal qu'a fait. C'est l'amour, nous sortir notre maman à papa, sortir notre place. Mais la police a besoin d'une unité spécialisée. Mais unité spécialisée, pas faire pour ça. Unité spécialisée. Pour aller résoudre le problème. Problème au général. Qui zame organique de la police. Dans les armes qui ont circulé, qui ont bagaillé, l'homme ou le policier avec une galère nous-mêmes, nos yeux nous sont anomalies. Pour qui ça? Spécificité galère là, a descendu avec précision à 300 yards, c'est-à-dire 291 mètres. Donc, une arme qui est capable de descendre à 291 mètres de distance, qui espace dans l'espace urbain qui est 291 mètres que nous d'abord dans ZAM sur le monde. Donc ZAM ou le policier a circulé avec là, il n'est pas normal pour la circuler dans l'espace urbain avec parce qu'il n'y a pas d'espace d'utilisation pour lui. C'est ça fait trois calottes de cartouches, il n'y a pas de cartouches qui ont tiré en l'air. Pour que ça caractéristique ZAM ou pas appliquer le tissu social là. Ou une cartouche qui se prend en galère. S'ils ont un monde, ça a eu le tir en enfilade. Les cap descendent, 5 à 6 mondes qui sont même l'union. Mais vous me dites ça, monsieur Bam qui n'a qu'à CEO et qui a fait la loi, il va la cause. C'est ça, moi je vous. Voilà que la police, qui au fait, pas gagné espace d'utilisation tactique des armes, joue en face de lui de nous qui ont des armes qui sont des armes de guerre. Donc, comment permettre la police là, avec des armes organiques qui viennent pour la résoudre un problème avec une qui nous a mis de guerre lui-même? Mais vous l'avez là, comme on dit, vous l'avez dit, la réalité est très difficile pour nous. Vous avez responsable pour faire qui compte ça pour vous faire. Mais c'est ça pour vous faire, c'est ça. Mais c'est bien une carte pour responsabilité. Bien une carte dit c'est le chef. C'est le responsabilité. Moi-même aussi. Depuis mon petit chef là, je dis à Simbeto Chita me pose 12 questions essentielles, le pape qui a répondu. Mais pas même problème, il y a tous les systèmes même, en passant à l'Isdaï, il y a des côtés là.
Nous ne pouvons pas simuler, nous ne pouvons pas dire. Mais ça, c'est la fatalité. Il a résolu, non? Il parle de fatalité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour nous résoudre? Vous entendez le sénateur Hugues Latortue parler de création d'unité anti-gang. Ça, ça cabaille. Bon. Mais nous ne pouvons pas tellement commenter en public de bagages liés à la sécurité nationale. Bon, premièrement, nous connaissons l'homme ou le médecin. Premier, ça vous connaît, c'est vous connaît qui spécialité la branche médecine pour ne pas maîtriser. Parce que les chirurgiens sont chirurgiens, mais les chirurgiens pas un neurochirurgien. Il y a qui fait médecine interne, il n'est pas capable de résoudre tout le bagage. Généralement, qui sont en médecine, on fait, l'homme qui devant eux, on dit ah, là, il est tel docteur, il est tel spécialiste. Pour qui ça? C'est même avec sécurité. C'est un bagage qui est tellement large, qui est tellement énorme, son collège pour t'aider pour résoudre le problème. Mais nous avons une idée. Nous avons une idée. Le problème qui est là, je ne peux pas dire pas de solution. Mais la première solution, c'est le monde qui connaît, qui vient de aborder ça, par exemple. Il y a un moment donné, Haïti finit de aborder la bâche de tank. Bon, nous-mêmes, je ne passe tout le monde enseigner tactique de guerre classique avec opération spéciale. Mais tout ça apprend sur l'utilisation des tanks. Les tanks sont matériels qu'on utilise pour protéger les troupes à pied. Les tanks, ce n'est pas une entité qui est autonome par rapport à lui-même. D'ailleurs, nous qui sommes dans un tank, qu'on appelle des servants, nous parlons de le pied à terre. L'autre, c'est protéger l'avance des troupes qui vont faire le mouvement au sol. Donc, ou pas, et puis, ou à fond tank. Bon, on ne peut pas faire tank là, évoluer dans le bidonville. Vous écrasez, vous écrasez le bidonville là, mais quand vous êtes PTC, vous avez l'odeur, vous avez l'odeur, vous avez le bail là, parce que vous écrasez le fini. Mais si vous avez dit que vous avez acheté matériel, c'est tank que vous avez acheté en Haïti pour lutter contre la sécurité, vous avez dit non. Parce que les pas techniquement répondre à un problème qui gagne. Oui, mais c'est qualité même qui a réfléchi sur la question, hein, sur le problème. Hein. Il n'y a pas même pour être fort qui va être une solution difficile pour vous. Nous qui faisons proposition, c'est forcément un technicien qui gagne un rapport avec nous qui connaît le côté de la capacité de tank. Ça, le bagage de la capacité de distance, nous on a fait tant quoi, c'est quoi de la faire. Ça, on va faire avec tant quoi après ça, pas intéressé. Mais vous ne pouvez pas vous faire comme ça, mais là. Mais le ballon, il n'est pas capable de faire des choses. Deuxièmement, nous qui sommes d'accord pour faire décaisser l'argent pour l'acheter de l'argent, on va dire nous encore. S'il est connu, il a dit mon cher, ce n'est pas ça pour m'acheter. C'est comme peut-être qu'il a dit même qu'il était là avec les gens qui proposaient ça pour faire l'histoire de tout. Donc nous sommes dans une situation d'inconscience. Parce que ce n'est pas ce qu'il fallait acheter à ce moment-là. Inconscience ou incompétence tout. Mais inconscience assez souvent lié à l'incompétence. Donc, généralement, nous qui inconscient est incompétent. Parce que si nous avons l'incompétence, nous qui avons cherché à faire comme là, nous n'avons pas qu'il y ait service là-bas. Par exemple, nous avons acheté le matériel, ça, c'est pas ça que nous acheter, mais il y a d'autres matériels que nous devons acheter. Parce que si nous n'avons pas connu, nous bah, conseil sur le matériel de cette poche. Il y a qui parlait de, je dis à vous, les autres samedi, là, son intervention de forces étrangères. Qui sont répondre. Bon, pour que ça, on croit que je dis à Jean-Louis Mounier, on fait des hommes de la caille. Et puis, on y a une force étrangère absorbe la caille pour venir rentrer dans les hommes là. Pour qui ça? Qui était relié? Parce que, écoutez, bon, voilà, vous me connaissez. La guerre est toujours faite seulement pour et seulement pour des intérêts. Et des intérêts économiques. C'est comme la colonisation, l'esclavage. Ce n'est pas vrai que nous devons pour nous maltraiter, non. Ce n'est pas ce que nous avons fait quoi. C'est moi et ça pour utiliser pour faire quoi. Là, c'est ça fait Amérique, le président Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, qui fait déclaration. Nous dit que nous haïtiens, nous faisons ça, un mauvais exemple, nous 28 millions de noirs aux États-Unis qui n'ont pas un esclavage. Parce que nous haïtiens, c'était un système de production
moyens économiques pour nous dire comme aux États-Unis. Donc, ça n'a fait à l'ONG, c'est même bagaille là. C'est même bagaille là, c'est deux mondes qui ont besoin de faire quoi? Deux mondes qui ont utilisé des moyens pour faire quoi? Cartouches là sont business liés, ZAMO sont business liés, ou on va venir de monde qui est d'État qui bien entré dans le business là tout. Parce que même petit parti par le dans le business, hein? C'est des hommes généralisés qui font là, qui peuvent permettre de rentrer dans le quartier ça pour faire campagne pour le capitaine chef. Peut-être je vous dis, il est venu nous compte que le chef est venu, le chef a changé. Bon, il est peut-être capable de est-ce qu'il a pu rentrer? Est-ce que ce n'est pas un des débats qui peuvent être obligés de prendre une décision pour le capitaine chef? Parce que il faut pas venir au Baïzam. Bon côté la privé là pour s'entrer avant de travailler. Bon côté pour avoir le même, même si on te prend Zam, on te vient maintenant, mais on te vient petit tout. Ou bien petit cousin, ou bien petit femme, on te mette le nom et tout. Si c'était un bon bagage, non, mais on ne t'a pas le mettre. C'est pas non, mais pas le d'abord. Il faut qu'il y ait une possibilité pour faire cet enjeu là, on va quoi qu'il y ait dans ça là. Mais pour qui ça peut venir faire? Imaginez par exemple où il y a là, président Joe Biden, des soldats américains, ils vont au lycée, et puis les gars vont les bandits, ils vont au lycée, ils vont faire 2-3 coups de fusil, ils vont tirer 4 à 5 américains, des 4 à 5 américains qui vont mourir en Haïti, qui vont d'abord expliquer, les citoyens américains, que le monde a fait 2 heures en Haïti, faire petit tour de mourir là. Nous avons toujours des ordres que nous voulons faire. Bon, nous faisons des ordres, non. Il y a d'où ça. Il y a d'où ça. Il y a d'où ça. Il y a d'où ça ici pour nous être ensemble pour gérer le problème. Il y a même une assistance, mais il va venir nous voir ou nous avons venu nous voir. Mais nous disons comme dirigeant, parce que là, nous avons souffert. Si vous ne venez pas de l'année, ça n'a pas vraiment été l'école. C'est toujours un problème. Et les musiciens ont pris la doigt fermée, il y a des groupes par exemple qui ont demandé de voir comme chaque semaine ou chaque mois. Dès que le problème a augmenté, déficit d'emploi a augmenté, misère a augmenté, banditisme a augmenté. Justement, au pays chômeur. Ça nous a fait pour nous sauver, ça nous a sauvé, c'est ça la question. Bon, faites ça, nous faites ouvert, mettez-nous qui ont des compétences, qui ont des courage, parce que je dis que les compétences ne sont pas suffisantes. Il faut avoir plus de courage. Par exemple, pour nous, nous avons une responsabilité dans l'État, là, aujourd'hui. Il faut presque être conscient pour accepter. Il n'a plus même besoin d'aller. Mais il faut... Pour aller. On dit, par exemple, pour nous, nous avons une responsabilité en matière de sécurité en Haïti. Ce n'est pas deux questions à poser, non. Ce n'est pas deux conditions à poser, non. Parce que nous, on est... Ni en dans un cancer qui est métastasé, oui, il y a une solution. Mais est-ce que je n'ai plus ma besoin pour porter solution à un problème? Nous rappelons ça, il vient déjà. Le président Jovenel Moïse était élu dans le palais national. Vous posez problème à un moment, deux amis, il dit, président, solution, vous voulez poser à une fausse solution. Problème n'est pas là. Bien sûr, vous pouvez l'équiper des amis, mais. Bien sûr, il y a fait mal avec ça. Bien sûr, il faut que neutraliser. Il faut faire pas faire des ordres avec ça. Mais, répondez à la question, président. Côté où vous avez ce n'est pas eux qui prennent le téléphone, qui commandent, ce n'est pas eux qui mettent comme il y a l'acte. Donc, si vous voulez résoudre le problème, il faut commencer par neutraliser 26 ans, parce que bien plus de monde qui fait des ordres dans le pays. L'homme dit 26, et puis il me dit 100 000 mètres sous lui, il baisse les yeux, il baisse la tête, il lève la tête, il regarde, il parle de l'autre bagarre avant. Parce qu'il te connaît très bien, ça me dit là. Donc, si vous voulez comprendre, pour résoudre le problème qui est là, c'est chaque grand bandit pour marcher, tirer, à charger pour tirer, vous faites fausse route. Vous avez toujours un bandit pour tirer. C'est quoi tes problèmes, vous soutiens pour dire, ça va? Pour qu'on ait qui ça pour faire, pour identifier le monde, pour neutraliser, pour faire suspendre, faire ça. Et ensuite, pour avoir courage pour aller chercher. Est-ce que si j'ai courage là, j'ai une autorisation à neutraliser pour papa, maman, chef ça. Mais est-ce que ce sont des questions de politique? Est-ce que j'ai courage? Ça a besoin, le problème besoin résoudre là. Parce qu'on a besoin de compétences,
ou pas de courage. Moi, ça a toujours pour nous faire politique, pas de mèche avec des bandits, il y a monde qui a. Mais nous avons fait politique au plus haut niveau et à tous les niveaux. Je veux dire, grand pile, par exemple, grand pile qui est de gros investisseurs, par rapport à l'absence de l'État en matière de sécurisation des investissements, qui s'est obligé de faire. Mais ce sont des gangs mondiaux. Ils ont monté des équipes qui pour sécuriser le business. Gagné qui rentre dans la police, qui prend pile policier, qui l'a seulement pour sécuriser le business privé, comme ça, qui ont l'autre désordre. Donc, on a allé de désordre en désordre pour ça, parce que l'État n'a pas organisé pour répondre à fonction. Oui, mais c'est important. En plus, fois, autorité dans l'État, on parle, on dit qu'on va prendre disposition, on va prendre mesure, mais au final, mesure pas arrivée, c'est ça qui fait. Que ce soit même dans la police ou bien dans l'autre truc de l'État, là, on parle de population pas trop bail, ça veut dire. Mais il y a des blagues, il y a des bagailles à dire, il va le faire ou pas. Mais par contre, si on parle de restaurer l'autorité de l'État, bon, le président a dit, et l'État peut pouvoir deuxième voie, nous risquons d'avoir l'ambiance. Mais on est capable de restaurer l'autorité de l'État. Mais l'autorité parler, pourquoi on est l'autorité de parler? On est capable de restaurer l'autorité de l'État. Justement, il faut que les gens qui sont dans l'État, les la parler, compte de qui ça l'a parlé. Par exemple, dans une grosse déclaration, on entend des bouches faites. Nous avons trois situations. Et puis, trois jours après, on retrouve maintenant exactement la même bagarre qu'il a fait trois jours avant, qui n'est pas fait, et puis il la donne. Ou bien il était inconscient, ou bien il n'a pas compte de qui ça a parlé. Généralement, il n'a pas compte de qui ça a parlé. Et si ça fait grand pile l'argent dans le pays qui passait mal, dans des bagailles qui n'est pas normal au départ. Par exemple. Par exemple, rappelez-moi, est-ce que vous imaginez l'expérience ou bien comme journaliste qui passe au terrain avant hier là? Ou pas toujours qu'on les élections en Haïti, c'est toujours un problème, quand tout chap tire à gauche, à droite, ou chap vouillé, il y a crasé le bureau de vote, etc. Le président Gouverne, il dit moi, après 6 mois que je travaille avec lui comme conseiller dans le cabinet, il dit, ah. Colo, ou obligé à prendre secrétaire d'État, sécurité publique là même. Élection peut arriver là, faut nous prendre des mesures. Mais mal à l'aise, ministre, parce que tu es ministre, pour nous m'avoir fou pour aller comme secrétaire d'État. Le président, si son job ou pas soit bon, je ne suis pas intéressé. Mais si son tâche de l'État gagné et qui normalement soit pensé c'est moins qu'à faire, pas garder comme des ministres que c'est une bonne secrétaire d'État. Ou pas bon job, ou pas bon mission. Maintenant, est-ce qu'on va supporter pour m'accomplir mission? On dit oui. Mais ce n'est pas aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en France. Élection faite, je n'ai pas un bureau de vote qui est crasé, je n'ai pas un monde qui m'a arrêté, je n'ai pas du feu qui mettait nos grands bureaux de vote sur tout le territoire. Vous n'avez pas la vote, j'avance à venir là tout. Mais elle était là, dit que vous faites avant. Ou pas besoin de prendre depuis l'élection. C'est tiré 2 ou 3 jours avant, combien de bureaux de vote vous voulez. Non, pas le bouillon. Je ne parle pas de qui j'étais avant. L'homme de prendre pour mal faire là. C'est un bagage qui était toujours qu'on fait. Qui fois ça n'a pas fait. Pour qu'il soit parce qu'on me connaît exactement côté pour nous aller. Ce n'est pas moi qui méchant ou nous qui a l'intention de suspendre l'existence. C'est nos situations météo qu'on est si on sortit à faire ça, il n'y a pas pour tout le monde rentrer la caillou. Mais ça a privé. Et on te dit, on te connaît que ça nous dit, justement. On a des connaissances, on a des capacités pour nous faire. Et plus élection a marché, et plus on a démontré que nous connaissons, que nous sommes capables de faire ça. Et on connaît capable de faire ça, me dit. Maintenant, le chef, il ne faut pas parler parce qu'on veut parler. L'on parle. Il faut que celui-ci vient en finir par moi. D'ailleurs, le chef n'est pas fait pour parler, ou fait pour agir. Donc, moi, je crois que, grand pour les difficultés, bagarre est très grave, et grand pour les gens qui prennent le bail pour là, pour le bail de banditisme, pour le bail banal, moi même pas analysé comme ça. Parce que ça fait là, tellement techniquement bien fait. Techniquement bien fait. La ville de Port-au-Prince est assiégée. Et son bagage, c'est mon qui maîtrise l'étude des cas. C'est mon qui maîtrise la territorialité. Qui, lorsqu'il nous fait, il fait assiéger l'île, qu'on est rentré dans la phase de tremblement. Parce que assiéger,
nous n'avons pas tellement sorti à joindre un point que vous fermez. Quand on a eu une obligé de rentrer à chercher nous, c'est ça qui a beau pile kidnapping. Et c'est ça qui a beau. Par exemple, nous passons sous chaîne masse samedi. Moi, pour une manifestation, l'État qui peut. Sous descendre sous chaîne masse là, moi, pour l'État mettait barricade. Avec beaucoup de séparateurs dans la zone palais national là. On peut quartier général lui-même, mettez barricade par. Et puis l'homme fini, Marine Vieux, il descend dans le Montalais. Dans le Montalais, donc on peut aller vers Belle comme ça. Et puis l'homme paraît, même là, il y a bandit, il y a un sac de sable partout. Donc, ça veut dire que. On va taper des autres. Non. Et même si vous avez sous-sorti dans le palais, on va faire tout droit pour aller vers Tisséminaire. Ou pas qu'à vivre quand on s'est acheté on se gagne des sacs de sable. Quand une situation de guerre, sac de sable, même qui mettait, mais on ne peut pas mettre des sacs de sable dans la rue. C'est nous qui connaissons, c'est pour ça qu'on nous dit. Donc, quand on a eu un étranglement, et comme nous avons une manifestation de peur que l'État baille là, il y a bien raison. Celle que Dieu vous compte, ce n'est pas les nationales que vous comptez. Peut-être que nous sommes plus conscients parce que nous avons fait politique, nous avons dit que nous avons entré dans le palais national, nous avons fait le truc qui s'est dit. Bon, là, nous avons fait des questions sécuritaires, avec le colonel Rebut qui s'en a fait pour sortir de la saignée, situation vraiment grave. Nous avons refermé l'émission colonel Rebut, mais c'est vraiment une dernière question parce que le jour où il veut, il me donne une réponse rapide, même si c'est une question assez difficile. Non, une question rapide. Une réponse rapide pour une question difficile. Encore politique. Qui fait samedi, nous sommes d'acteurs qui sont, qui croient que vous êtes bêtant toujours, mettez tout à compte bien là, vous êtes arrivé en seul là-bas pour le pays, ou même malgré comment on apprécie cette fête-là, et est-ce que nous croyons que ça a bien sorti dans cette nuit-là? Évidemment que nous. Parce que nous sommes face à un problème, nous ne pouvons pas aborder avec seulement désir et pulsion par eux. Il faut prendre tous les problèmes. Nous avons une très belle occasion là, je ne sais pas qui ça, acteur ou pas, sauter sur l'occasion. Ou bien le groupe de la société civile, mais moi-même, je ne vais pas arriver à accord. Ce sont des groupes qui ont des propositions pour nous sortir dans sa nuit. Le groupe de société civile là font très bon travail, ont appréciable travail. Dans toute situation normale, c'est ça que vous dites pour faire. Mais nous pas dans une situation normale. Donc c'est une proposition. Il y a Le Pen qui te fait proposition par, qui était de même déterminé président et premier ministre et qui était cité. Société civile a dit, il faut que des présidents, il faut que des premiers ministres, mais qui mécanisme pour nous mettre en place pour arriver à cela. Il y a une primature qui sortit idée par. Nous n'avons pas capable de l'accord. Ce sont des gens qui ont même l'idée qui mettent ensemble. Donc ce sont leurs idées. Université a qui dit, le problème nous est là, mais ils vont pouvoir aborder techniquement pour arriver à résoudre. Donc il y a quatre idées. Maintenant, tout normal qui s'est fait, il a provoqué que tous les quatre groupes s'ont rencontrés pour passer deux jours à travailler ensemble pour sortir avec ça pour nous, nous-mêmes, nous avons un accord. Parce que il y a quatre groupes qui imposer des idées différentes ou bien des idées qui même qui ont des différentes approches, pour nous faire toute idée ça, nous avons dit voilà la position haïtienne sur la question, et nous avons dit étranger à courir sur la donne parce que besoin de sortir dans sa mobilité là tout, pour nous commencer à résoudre des problèmes sérieux. Maintenant, si un groupe qui a la même idée, nous avons ensemble et puis nous dit c'est ça l'accord, nous ne pouvons pas comprendre. Si ça fait jusqu'à présent, nous ne passions aucun papier, nous analysons tout, et nous croyons que c'est seul rassemblement, toute idée qui est à Vinbaye, nous encore, parce qu'il n'y a jusqu'à présent que des idées, que des propositions, et nous passons le tap sage que nous avons fait ça. Heureusement, nous entendons même le premier ministre qui était fait faire le travail que nous avons fait samedi, nous entendons l'écrit du groupe commission pour le rencontrer avec. Que la commission n'a pas à camper sur une position raide, dit c'est samedi à tout fait. Que tout le monde réunit ensemble et pour venir l'idée de ça à courir quand on tiche et tous à le signer. Si c'est ça, nous tous ensemble passer. Mais si c'est ça, nous passer, même passer,
nous pas aller loin et situation a continuer dégrader même qui dans la rue a vu plus chef passer nous jusqu'à son jour il a mettre nous toutes deux. Merci pour le colonel Rebou parce que vous avez tout le temps. Ça a été un plaisir. Voilà, écoutez, nous avons mis au point aujourd'hui, hein, colonel Hilaire Rebou, sont avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, cap, attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous, son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.